Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un peu la gorge enrouée, enfin la voix enrouée ce matin. On se retrouve aujourd'hui dimanche donc pour le troisième tag de l'année. Donc aujourd'hui on est le 17. J'ai marqué ici derrière 3 et 17 01 2021. Et voilà le tag que j'ai réalisé cette semaine. Donc c'est avec une collection de chez Pion Design qui s'appelle Winter Wonderland. Et il y a des images magnifiques dans ces collections. Moi, j'adore Pion Design. Hein. Je trouve que c'est vraiment très joli. Vraiment des belles images. J'avais eu ça à l'auberge des loisirs. Voilà. Elles sont belles. Hein. Regardez celle-ci, là. Hein, avec les petites filles qui jouent, tout ça. C'est doux, c'est tendre. Moi, j'adore. C'est vraiment très très joli. Donc j'ai utilisé une image de la collection et j'ai découpé mon tag sur l'envers du papier ici, qui est très joli aussi, regardez. Voilà. Donc je vais vous montrer plus en détail ce que j'ai réalisé. Donc voilà, j'ai mis donc le papier de fond que vous venez de voir là. J'ai ancré les bords avec la Distress. J'ai mis de la dentelle ici, rose poudrée. De chez notre ami Daniel Création. Voilà, très joli. Donc j'ai mis ici, là, comme ça. Autour de cette petite image, j'ai mis la dentelle que je mets un petit peu partout. Hein. Celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle est pas trop épaisse. J'avais eu ça dans un salon de loisirs créatifs. Ça, c'est une autre, mais elle est plus épaisse. Et bon, c'est pas le même rendu. Hein. Mais bon, elle est pas mal aussi, hein, ceci dit. Hein. Je m'en sers aussi. Donc voilà, donc j'ai mis ça autour. En dessous, j'ai collé, ben, évidemment, une petite plume. Voilà. Là, j'ai mis un petit brad, petit cœur, des petites enamel dots, comme ça, de chez Nouveau. Celle-là, c'est Dusty Rose. C'est les vintage. Je trouve qu'elle rend vraiment bien là-dessus. Je trouve que c'est, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Oui. Mignon le petit chien. Ah bah. Voilà mon lascar là. Tu descends chouchou? Non. Allez, t'es mignon. Retourne sur ma chaise. Voilà. Oui, donc ça c'est super quoi. Moi je les aime bien celle-là. J'en ai deux, trois comme ça. Quatre même. Ouais. Donc j'en étais arrivée là. Donc j'ai mis ici des enamel dots. J'en ai mis un petit peu partout. Là j'ai collé une petite étiquette de la collection sur lesquelles j'ai mis du stickles. Vous voyez là aussi j'ai mis du stickles, j'ai mis sur le des stickles sur les petits paquets, son petit manchon, on appelle ça un petit manchon, et les rebords de son petit manteau, et également sur les petits boutons de son manteau. Voilà. Donc là en dessous de l'étiquette ici j'ai mis l'espèce de moumoute là que je mets un peu partout en ce moment. Et toujours ma fameuse dentelle élastique ici que j'aime beaucoup, que je mets aussi un petit peu partout. Là, ici, ça c'est une petite fleur faite avec le filtre à café. Vous pouvez retrouver le tuto sur la chaîne de Chantal Honoré qui fait ces petites fleurs-là avec des filtres à café, elle les colorise. Et j'ai rajouté des paillettes dessus et un petit brillant au milieu. Voilà, donc j'en ai fait d'autres, je vais vous les montrer après. Ici, j'ai mis un petit nœud d'un tissu froissé, quoi, avec un petit pompon ici, un petit flocon de neige. Là, j'ai mis du ruban de soie, de l'organza rose et de l'organza plumeti. Voilà. J'ai noué ici avec un petit lien en soie aussi, que j'avais eu il y a très longtemps aussi. Mais bon, comme je garde tout, ben voilà, ça sert. Hein. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. Moi, je le trouve très joli aussi, celui-ci. Voilà, donc, bon, je pense que j'ai fait le tour. Là, je ne fais pas de tuto, hein. Je vous explique comment j'ai fait. Je ne peux pas faire un tuto à chaque fois, hein. Je ferai des tutos quand ce sera plus élaboré, un peu comme ça, quoi. Mais, regardez, ça, c'est super mignon, hein. Là, je suis restée dans le thème de l'hiver. De toute façon, on est en plein dedans avec les températures qu'on a. Donc oui, alors je vous reparlais des petites fleurs de Chantal ici, au papier filtre,
filtre à café. Donc j'en ai refait quelques-unes ici. Vous voyez. Bon, je pense que mes dies sont peut-être un petit peu trop grands. J'aime bien celle-là. Et là, j'en ai fait une toute petite dans les tons un peu saumonés. Bon, c'est les premières, hein. Elles ne sont pas terribles, terribles. Il faut que je m'applique un peu mieux. Mais bon, les unes avec les autres, je trouve que ça rend pas mal. Bon, j'attends toujours mes fameuses paillettes là que j'ai commandées. Je ne vais pas tarder à les recevoir. Mais bon, ça vient de loin, donc patience. Bon, écoutez, j'espère que ce petit projet vous plaît. Hein, et bon, moi, je continue mon petit bout de chemin avec mes tags. Mais bon, je me rends compte que les semaines passent encore plus vite. Et c'est horrible, quoi, comme le temps passe. Hein. Mais bon, ça prouve au moins que je ne m'ennuie pas. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Une bonne semaine aussi. Hein, mais bon, profitez de votre dimanche et puis... scrapez bien, faites-vous plaisir et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao à toutes et portez-vous bien.